Salut à tous, c'est Mister Freeze. Donc bienvenue dans cette nouvelle fraîche numéro, je sais pas combien, mais c'est marqué en haut de la vidéo. C'est bien préparé encore une fois. Donc voilà cette nouvelle fraîche que je devais faire depuis très très longtemps, puisque la dernière, attendez, je vais regarder. Elle doit dater de plus d'un an, je pense. Quelle est? Donc là, vous voyez sûrement un jeu en fond, hein, mais je l'ai enregistré à part, je l'ai pas. Je joue pas en même temps que je parle parce que chaque fois que je fais ça, sur les nouvelles fraises, je me perds et la vidéo dure trop longtemps. Du coup, c'était. Ouais, elle date d'il y a un an, la dernière. Donc, ouais, normalement, je devais en faire plus souvent parce que. Surtout que là, il y avait une occasion l'année dernière, en 2018. Mais bon, bah, j'en ai pas fait. Hein. J'en ai pas fait, je pense que c'est marqué un an, mais je pense que ça date d'il y a plus longtemps. Attends, je vais cliquer dessus. Ouais, août 2017, ouais, donc ça fait presque 2 ans. Ouais. Un an et. Quoi faire 9 mois, un truc comme ça. Un an et 8 mois, ouais. Ouais, voilà. Un an et 8 mois que j'ai pas fait de nouvelles fraîches. Hein, donc, La dernière était en 2017. Et j'aurais dû en faire une grosse en 2018, enfin même une vidéo spéciale en 2018, parce qu'en fait 2018 c'était l'année des 10 ans des vidéos. J'ai commencé les vidéos en début 2018, alors je sais plus, je crois que c'était mars, un truc comme ça, début 2008, pardon. Donc je crois que c'était mars 2008, ouais, hein, sur Dailymotion. YouTube par contre c'était en 2016, si je me trompe pas. Mes premières vidéos, puisque je les ai repostées, hein. D'où la qualité dégueulasse de certaines vidéos. Encore toi. Pour ceux qui suivent pas Mais la chaîne tu depuis vas longtemps, hein, toi, petit vieux d'ours. c'est juste que c'est des vidéos qui ont été uploadées Vous sur êtes fous de Dailymotion votre en stupide il y rituel. a plus de 10 ans, qui Vous me faites pas peur. en qualité Allez, dites-le dégueulasse, à hein, parce quelqu'un. qu'à l'époque j'avais un matériel de merde et Je ne puis me ferai pas voilà. faire, non. Vous n'avez Et pas le les droit de me faire logiciels faire. que j'avais J'ai été besoin pas de ouf non lire. plus. Vous n'avez pas le Ensuite, droit. les vidéos, j'ai dû les re-télécharger depuis Dailymotion, puis les re-uploader, ça a encore pourri la qualité. Donc ouais, voilà, c'est un peu un massacre, ouais, donc, mais bon, ça fait que 3 ans que je suis sur YouTube, mais c'est depuis 2008 que j'ai commencé les vidéos, quoi. Et du coup, par exemple, j'ai décidé de recommencer Ludo la Noyo, parce que, bah, justement, la qualité était trop mauvaise et j'étais trop perdu dans le jeu, donc je préférais tout refaire, quoi, pour être dans le bain. Même si il est possible de retrouver mes anciennes vidéos de ce jeu sur ma chaîne YouTube. Elles ne sont pas cachées, c'est juste que j'ai pas fait de playlist parce que bah je l'ai refait T'as donc pas voilà. encore compris, c'est le gardien front de Et toi puis qui te y parle, a c'est quoi? Il y pas a moi. FF6. Mon premier jeu Tu c'était crois que Golden tes Sun. promesses, tu Donc crois là que je tes crois que ça promesses doit être tiendront celui avec la jamais? qualité la plus affreuse. Menteur. Après il y a Tu eu crois qu'ils sont sages alors qu'ils y a sont eu fous? quoi? Si je me retrouve dans l'ordre parce Ils que viennent alors, contre ta Dailymotion famille, c'est mais ils veulent devenu qu'une chose, tellement un que tu massacre. Il y a disparaisses. plus de commentaires, il y a plus de Ils vidéos font dans quoi l'ordre, c'est exactement le ces gros enfants bordel. avec moi? Je sais même pas si j'ai encore ma chaîne Dailymotion. J'ai pas retourné depuis très longtemps, j'ai même plus le mot de passe. Enfin bref. Mais sur Dailymotion, voilà, j'avais commencé par Golden Sun du coup. Et puis j'avais fait ensuite, alors si je me trompe pas, j'avais fait FF6 parce que justement je voulais absolument le faire, et FF5. Donc FF6 je l'avais fini, hein, vous le retrouvez sur YouTube. Le 5 je l'ai pas fini, mais c'est pareil, je l'ai recommencé avec la nouvelle version là qui est sortie sur PC. Qui a des graphismes un peu spéciaux, mais bon, elle est quand même pas mal la version. Même si les sprites sont dégueulasses. Et il y avait ça, il y avait Dino Crisis que j'avais fait en duo, que j'ai remis aussi sur YouTube. Donc ça, la qualité est pas trop mal, parce que c'était pas filmé par moi, mais je suis un pote. Faut savoir que j'ai commencé les vidéos avec en filmant. Donc c'était sur Cam Studio, je crois, enfin bref, un truc tout pourri. Mon micro c'était une webcam cassée où il n'y a plus que le son qui marchait. Et j'avais un vieux PC, ça ramait les émulateurs, il y avait un décalage de son, enfin c'était dégueulasse quoi. Mais bon, à l'époque, quand j'avais commencé à faire ça, on était très très peu de Français à le faire. On était tous sur Dailymotion. Pour vous donner une idée, le joueur de grenier il est arrivé qu'un an après donc. C'est pas pour me vanter, hein, je dis ça, mais c'est pour dire à l'époque il y avait vraiment pas. C'était pas très populaire les vidéos de. Il y avait des vidéos de jeux vidéo bien sûr. Mais des let's play commentés comme ça, c'était assez rare. On était un petit groupe, donc The Waxmakers ça s'appelait. On était un petit groupe à faire ça, et bah, ça a été commencé par un pote à moi. Il y avait E.T. Que vous connaissez peut-être, E.T. 63, Tu m'écoutes? qui faisait aussi ça Il est pas trop tard pour bien avec son faire. groupe, la Frapstageux.
Ouais, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Hein. Je crois que j'oublie pas trop de jeux. Ouais, bah il y a les Zelda que j'ai fait aussi, les deux Zelda sur Game Boy Color. Je Oracle veux of pas Ages, de Oracle dur. of Seasons, et aussi Link's Awakening DX, que j'ai fini bah il n'y a pas si longtemps finalement. Et Suikoden 2 que j'avais commencé Gabriel, écoute-moi. sur Dailymotion et que j'ai J'ai toujours pas compté fini sur sur nos YouTube. intentions. Sachant que j'en suis bientôt à la fin du Je jeu, veux mais que tu j'avais fait une t'intègres à pause pour pas moi mettre trop de gens à immédiatement. la fois. Voilà, et puis Immédiatement. Phoenix Wright que j'ai commencé Ce ne sont sur pas des YouTube et trésors que que j'ai tu fini. trouves. Et Ce en parlant de sont Phoenix des trésors. Wright, il y a une Ce n'est trilogie pas qui est pour les sortie gens comme ça, toi. Garde-t-elle son nom. sur Steam pour PC. Donc c'est les trois premiers Phoenix Wright, mais pour l'instant ils sont pas en français, ils vont rajouter les langues cet été normalement. Donc je ferai peut-être le 2 et le 3 sur la version PC du coup, ça serait mieux. Parce que c'est. Ouais, ce sera mieux. C'est pas adapté l'écran, ça fait des bandes noires sur les côtés, c'est pas ouf en filmant sur l'émulateur, même si c'est cool. Voilà, il y avait quoi d'autre comme jeu que j'avais fait à l'époque? N'hésite FF5 que j'avais pas. pas fini, ouais, je l'en ai Je suis parlé. désolé de t'infliger ça, Gabriel, mais tu dois convaincre la graine de revenir au Je sais plus. sanctuaire. Si tu la débarrasses de sa dernière Je peur, crois que c'est les seuls, hein. peut-être Mais retrouvera-t-elle bref, voilà, on retrouvé était un la petit paix. groupe à l'époque, on s'est rencontrés, on s'est vu avec pas mal de gens. Bon, le groupe est parti en couille au bout de quelques années, donc maintenant il n'existe plus, hein. Je sais même plus s'il y a. Je suis pas sûr qu'il y a encore des gens du groupe, apparemment, qui font encore des vidéos. Peut-être un ou deux, c'est possible. Mais voilà, bah à l'époque on n'était pas connus, mais. Pas connus parce que c'était pas comme maintenant où il y a des centaines, enfin des milliers de gens qui font des vidéos comme ça, mais. À l'époque, ouais, c'était assez rare du coup. Même Dailymotion nous mettait en page d'accueil parfois. Enfin, c'était assez cool. Et puis voilà, bon, après, voilà, j'ai commencé, j'avais 19 ans du coup, je crois. Parce que là, c'est l'année de mes 30 ans. Et ouais, bah, il s'est passé beaucoup de choses, mais bon, voilà. Du coup, à l'époque, j'avais rien de spécial quand j'étais au chômage, donc j'enchaînais les vidéos comme un malade. Et bah maintenant c'est beaucoup plus dur comme vous avez vu, hein, le rythme des vidéos est très très lent. Et du coup là on va revenir sur les 10 ans du coup, pourquoi j'ai rien fait pour les 10 ans? Alors en fait les 10 ans c'était en 2018 du coup, et j'avais prévu du coup de faire les 10 ans cet été quoi. Faut savoir que j'ai enregistré pas mal de vidéos que j'ai coupées pour faire des bêtisiers, c'était les vidéos que j'avais loupées quoi en gros. Je voulais faire une rétrospective avec tout l'historique de ce que j'avais fait, etc. Et au final, bah, ce qui s'est passé là, c'est que à l'heure où je vous parle, j'ai pas enregistré, à part les dernières vidéos d'FF7 que vous avez pas encore vues, parce que y a pas mal de vidéos d'avance. Ça va faire un an ouais, que j'ai plus d'un an, ouais. Plus d'un an que j'ai pas enregistré de vidéo en fait. Donc là, toutes les vidéos que vous voyez depuis début 2018. C'est des anciennes vidéos en fait. Donc il s'est passé un truc en 2018 qui fait que j'ai pas fait de vidéo, j'étais vraiment pas bien. Du coup là je recommence à en faire depuis quelques semaines. Je continue FF7, j'ai bientôt fini FF7. Voilà. Donc après bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros il est arrivé quelque chose à quelqu'un de ma famille et du coup j'étais un peu en dépression et j'ai mis du temps à m'en remettre. Et du coup, voilà. Du coup, c'était pas facile et j'avais vraiment pas la tête à faire des vidéos. Je voulais pas faire des vidéos en étant pas bien, puisque bah, le résultat, c'est pas top, quoi. J'ai essayé, hein, mais je l'ai supprimé parce que j'ai dit non, c'est pas possible, je vais pas mettre des vidéos comme ça. Donc voilà, bon, là ça va mieux aujourd'hui, mais ça va pas encore aussi bien qu'avant, mais ça va mieux, je suis en état de faire des vidéos. Et du coup, là, bah voilà, je vais vous expliquer du coup les vidéos où elles en sont. Parce que bah il y a les vidéos que vous voyez qui sont postées et les vidéos que j'ai en réserve de mon côté. Heureusement que j'en ai d'ailleurs puisque sinon vous verriez plus de vidéos depuis longtemps. Du coup bah alors pour ce qui est de FF5, Zelda's Minish Cap et Axiom Verge, le nouveau jeu que j'avais commencé, toutes les vidéos sont sur YouTube. Donc là j'en ai aucune d'avance. Voilà. Donc je vais me concentrer sur un jeu pour l'instant. Donc ça veut pas dire que vous verrez que ce jeu puisque j'ai des vidéos d'avance. Hein.
mais sur d'autres jeux. Mais j'essaie de finir mes jeux et ensuite on verra. Parce que voilà, c'est quand même, faut quand même de la motivation pour reprendre des jeux à chaque fois. Recommencer de nouveaux jeux et les continuer. Et aussi, bah, pas perdre la motivation des autres qui sont en cours, quoi. Et donc, voilà, donc ces trois jeux, il n'y a plus rien, faut que je refasse des vidéos. Vu que ça fait très longtemps. Axiom Verge, c'est récent, mais il faut que je reprenne la main, parce que c'est pas un RPG, hein, c'est un jeu, voilà, faut les bons réflexes et tout. Zelda, ça va être un peu chiant, parce que faut que je me rappelle qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai pas fait. Vu qu'il y a plein de contenus optionnels dans ce Zelda. Et FF5, bon bah faudra juste que je le reprenne, mais c'est celui que ça fait le plus longtemps que j'ai pas enregistré. Hein. La dernière vidéo d'FF5, je sais même pas de quand elle date. Ouais, FF5 que j'avais recommencé parce que justement les vieilles vidéos, ça faisait trop longtemps quoi. Ouais voilà, j'en ai 10, j'en ai fait que 10 de FF5. Après FF5 est pas particulièrement long. Voilà, et la dixième, elle date d'il y a 2 ans, voilà. Donc ça fait 2 ans que j'ai pas enregistré FF5. Bon là c'est 3 jeux, ben, je m'y remettrai, mais il faut... j'abandonne aucun jeu, mais il me faudra du temps. Et je préfère terminer donc les deux jeux que j'ai presque terminés. Qui sont FF7 et Suikoden 2. Alors là FF7 il y a 46 vidéos de postées, mais j'en ai 53 en tout. Et j'en suis... vous voyez, il y a 3 CD dans FF7. Et j'en suis à la toute fin du 2. Sachant que le 3 c'est juste le donjon final quoi. Donc là en gros il me reste une petite partie de l'histoire plus le donjon final à faire. Et deux boss optionnels plus une petite quête optionnelle. Voilà. Donc je pense qu'en une dizaine de vidéos j'aurai fini FF7. Donc il devrait avoir une soixantaine de vidéos d'FF7 en tout. Entre 60 et 65 vidéos. Là il y en a 46 et j'en ai fait 53 donc voilà. Donc normalement, si je m'y mets bien, je peux vite les finir. Je peux vite finir FF7. Suikoden 2, j'en ai posté 45 et il y en a 51. Et ça, c'est pareil, je les avais finis en 2017, les dernières. FF7, je suis en cours, là. Je suis en cours d'enregistrement. Donc j'ai repris depuis quelques semaines. Et Suikoden, ouais, ça fait, je sais pas, peut-être un an et quelques. FF4 que j'avais fait avec Perfect Link, on a enregistré 20 vidéos, dont la dernière en 2017, et toutes les autres en 2016 d'ailleurs. Donc il m'en reste encore 4 à mettre de FF4. Et Ludola Noyo, j'en ai pas enregistré depuis 2017 aussi. Et il m'en reste une dizaine à mettre encore. Donc j'en ai posté 16, j'en ai 25 en tout. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, et puis pour les jeux bah, qui étaient prévus, hein, que je voulais faire après, qui sont toujours dans ma description YouTube, c'est Grandia et Manakamia 2. On verra plus tard. Je finis FF7 et Suikoden parce que j'en suis vraiment à la fin et je suis motivé à fond. Sachant que j'ai fait tous les trucs les plus chiants d'FF7, donc là, je peux terminer tranquille. Suikoden 2, bah... Faut que je reprenne parce que ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré, mais j'en suis également à la fin. Je pense qu'il y aura également 60 vidéos, ouais, un truc comme ça. Après, tout dépend de la longueur des vidéos, on verra. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée. J'en suis à une dizaine de vidéos de la fin d'FF7 et de Suikoden 2, donc je les finirai. Et ensuite, je continuerai RNH, peut-être FF4 avec Perfect Link et Zelda, quoi. J'avais commencé également à enregistrer Phoenix Wright 2. Une vidéo j'avais fait, je l'ai supprimé parce que de toute façon c'est pour pas être tenté de faire la suite et continuer mes jeux en cours. Et puis il y a la version PC qui va arriver en français donc on verra plus tard. Voilà. Et pour donc Grandia, ouais, c'est toujours prévu quand j'aurai fini un des deux gros jeux là, FF7 Suikoden et Manakamia 2. Alors faudra que je m'y remette. Il faut savoir qu'il est en anglais, il n'existe pas en français. Et du coup, bah, mon projet c'était de le sous-titrer aussi. Donc voilà, c'est un gros projet, on verra plus tard. Mais par contre, il y a le premier Manakamia, donc qui s'était sorti en anglais également, seulement en anglais sur PS2, a été traduit il y a quelques mois en français par une team de traduction.
atelier traduction. Et du coup, maintenant, Grandia, pas Grandia, Manakemia 1 est en français, intégralement en français. Et justement, je suis en train de le faire là. Donc, j'ai presque fini. Pas de l'enregistrer en vidéo, hein, d'y jouer juste. Donc voilà, bah, après avoir fini Grandia, je pense que j'aurais envie de faire Grandia 2 en vidéo. Et je me dis, bah, au final, pourquoi pas faire le 1 plutôt, maintenant qu'il est en français. Pas en attendant que le 2 soit en français, parce que ça pourrait prendre 10 ans. Hein. Je sais plus combien d'années ils ont mis pour faire la traduction du 1, mais ouais, c'est bien 5-6 ans, je pense. Et de toute façon, je crois même pas que la traduction du 2 est en cours, donc faudrait que je vérifie, mais voilà. Ça serait cool de vous montrer le 1, même si le 2, je trouve qu'il est supérieur en tout point au 1. Que ce soit l'histoire, le gameplay, la durée de vie, enfin tout quoi. La musique, tout est mieux dans le 2, donc je sais pas. Peut-être que d'ailleurs le jeu que vous voyez en fond est Manakemia. J'ai pas encore décidé, parce que là j'enregistre ma voix et j'enregistrerai le jeu de fond derrière, après. Voilà. Sinon, bah, quoi de nouveau au final, puisque c'est des nouvelles, hein, mais je vous parle que de ce que j'ai enregistré avant et de ce que je vais faire après, mais actuellement qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, voilà, j'enregistre FF7. Et puis bah sinon, j'ai maintenant deux écrans, donc vous en foutez sûrement, mais en fait moi ça me servait pas mal, parce que souvent je mettais des notes de côté quand je faisais mes vidéos, qui apparaissaient d'ailleurs des fois subtilement au milieu de l'écran quand je faisais une mauvaise manip. Et bah du coup maintenant je pourrais le faire sur l'autre écran, donc il y aura plus de perturbations de ce type sur vidéo. Et puis oui, ça peut servir, parce que bah j'ai une mémoire de merde, hein, comme vous le savez, et je mets très souvent des trucs sur un bloc-notes pour me préparer ma vidéo, pour rien oublier. Donc voilà, maintenant avec les deux écrans ça va être cool. Et sinon, voilà, hein, c'est la vidéo de mes 11 ans, on va dire, puisque ben, les 10 ans, ben, ils sont finis. Le bêtisier que je voulais faire, ben, faut que je le fasse, mais ça va être plus tard, hein, je pense, puisqu'il y a plein de petits morceaux de vidéos à monter, que j'avais mis de côté, et qu'il faut que je récupère sur un disque dur externe, voilà. Et sinon, ouais, j'aimerais vous dire merci à tous depuis tout ce temps, hein, 10 ans, ça fait très très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai fait les vidéos, donc ça fait 11 ans maintenant, hein, même si c'est une vidéo des 10 ans. Voilà, c'est une petite vidéo pour des 10 ans, j'ai vraiment pas fait d'effort, mais comme je vous ai dit, j'avais vraiment pas le moral et la motivation en 2018. Et aujourd'hui, ben, je me concentre sur les vidéos, donc sur les jeux, quoi, pour les continuer et les finir. Donc j'ai pas eu le temps de faire une grosse vidéo. Même si ça me fait énormément chier, hein, mais bon. Voilà, et puis pour finir, j'aimerais vous dire qu'il y a toujours le Discord, donc ceux qui sont pas au courant, il y a un Discord en fait que j'avais fait au début, de quand j'étais sur YouTube, ou il y a peut-être 2 ans, je sais plus. Et j'avais invité pas mal de gens dessus. Et certains qui regardaient mes vidéos sont déjà dessus d'ailleurs. Et j'avais invité un Perfect Link, donc celui qui fait les vidéos de FF4 avec moi, qui depuis a fait des streams et a invité énormément de gens dessus. Donc voilà, aujourd'hui on est 44 là sur le Discord. Donc ça, plus il y a de gens, mieux c'est. Donc si ça vous intéresse de voir les vidéos quand elles sortent, on met des annonces. On avait des projets de groupe, mais bon, c'est un peu tombé à l'eau vu que voilà, hein, j'étais absent pendant un an. Mais voilà, ça peut toujours évoluer et ça serait vraiment cool que vous veniez sur le Discord si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous voulez pas, bah, c'est pas grave. Hein. Sachez juste que c'est utile pour voir quand les vidéos sortent, puis bah, pour parler à des gens qui nous suivent et qui ont peut-être les mêmes passions que vous. Donc si vous cherchez des compagnons de jeu, on va peut-être mettre en place des petites parties multijoueurs sur des jeux, on verra. Donc le lien, je le mets dans la description de la vidéo, et puis il est en haut là sur ma page. D'ailleurs, il y a toujours le forum qu'il faut que j'enlève. Parce qu'il y a mon Twitter et mon Facebook là, et normalement j'aurais dû mettre le... Vous voyez sur ma bannière, en bas à droite de la bannière. Vous voyez Twitter, Facebook, il y a le Discord aussi. Que j'ai pas mis d'ailleurs. Eh bien, on va s'en occuper tout de suite.
Tac. Ok, là, c'est... Voilà. Je vais vous mettre une... Que fais-tu ici, Goupil ? Ne t'inquiète pas pour moi, ni pour les autres gardiens. Allez. Voilà. Là, vous avez un lien d'invitation Discord maintenant, qui se trouve en bas à droite de ma bannière. Là. Quand vous êtes sur la page d'accueil, juste à cliquer dessus et ça vous invitera dans le channel Discord. Alors, au début, vous verrez rien parce que, bah, pour question de sécurité, pour pas qu'on soit spammé. Donc on est des gens qui font qui fassent les cons. Vous avez aucun rôle au début, donc vous pouvez parler, mais vous pourrez pas voir les anciens messages. Donc bah dans ce cas, écrivez-moi ou à Perfect Link pour dire qui vous êtes et on vous donnera les droits. Voilà. Et ou alors vous vous présentez sur le topic de présentation et puis voilà. Donc voilà, sur Discord, il y a quand on met des vidéos, quand on met des lives. Et puis il y a après juste des petits topics de discussion quoi. Les lives de Perfect Link sont très sympas, hein, je vous conseille d'aller les voir. Il fait beaucoup de jeux, mais il n'y a pas énormément de personnes qui le regardent pour l'instant. En fait, le Discord, on est beaucoup, mais on n'est pas très actif. Donc après c'est juste une question d'habitude. Hein. Si on a 2-3 qui parlent, les autres parlent sans problème quoi. Donc voilà, bah, j'espère qu'on se retrouvera là-bas. Et si vous avez des questions sur les vidéos, sur quoi que ce soit, si vous voulez dire quoi que ce soit sur mes vidéos, c'est le moment, puisque c'est la vidéo de mes 10-11 ans. Donc voilà, bah, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt et qu'il y a encore des gens qui suivent ma chaîne depuis tout ce temps. Et puis encore merci à vous, moi je suis toujours motivé, je suis toujours content de faire les vidéos malgré tout ce qui m'est arrivé. Quand je fais les vidéos, franchement, je me sens vraiment bien. Et j'espère que ça va continuer comme ça longtemps. Donc bah, on se retrouve à la prochaine pour les vidéos de jeu. Allez, salut.